Carla Michaud, je suis un thérapeute du sport, un préparateur physique et un spécialiste en positionnement cycliste. Un bike fit, à quoi s'attendre? Ben, en fait, il faut s'attendre à du bon café. J'aime le café de façon modérée. J'aime en faire, mais j'aime surtout en servir aux autres. J'aime en servir aux cyclistes, j'aime en servir à des amis qui viennent. Je trouve que c'est un beau moment à partager. Puis voilà, c'est pour ça que... Il faut s'attendre à un positionnement qui est fait au millimètre, un positionnement qui est voué à évoluer aussi dans le temps, auquel on va travailler, puis d'être confortable et performant sur son vélo. Mais de façon générale, en fait, quand c'est la première fois qu'un cycliste rentre, bon, évidemment, on va l'accueillir, mais on va procéder à une petite évaluation clinique, donc une évaluation musculo-squelettique, tout simplement pour dresser une espèce de fenêtre dans laquelle je peux positionner le cycliste sur son vélo. Donc, d'essayer de déterminer ça, vérifier s'il y a des pathologies ou des blessures chroniques qui sont issues du cycliste ou d'autres choses, puis après ça, de prendre ça en considération pour pouvoir effectuer le positionnement. Ensuite, on va un petit peu vers le vélo. Est-ce que je passe énormément de temps à l'interface pied-pédale, parfois même presque à une heure, dépendamment des cas. Puis on migre vers les choses qui sont un peu plus classiques, donc la hauteur de selle, le recul, la distance avec le cockpit, le drop, etc. Donc tout ça, dans tout et partout, on fait le fit à l'intérieur d'environ 2 heures. Puis après ça, on prend des mesures, puis on envoie le rapport au cycliste, donc avec le avant et le après d'un fit. En fait, j'ai immédiatement vu une différence avant et après mon bike fit. Une fois que j'avais fait mon bike fit l'année dernière, je me suis senti beaucoup plus puissant sur le vélo, surtout lorsqu'on faisait de la montée. Je sentais que la machine était beaucoup plus connectée à mes pieds. Sous mes pieds, on sentait qu'il y avait beaucoup plus de puissance, que j'arrivais à me déplacer plus rapidement et de manière plus efficace.